YouTube a encore frappé. Et salut tout le monde, c'est Brian7, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui je vous fais une vidéo encore sur YouTube. Non, ce n'est pas dans le domaine de la critique. Enfin, oui et non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup de personnes se sont plaints que maintenant les nouveaux commentaires sont liés à Google+, c'est même plus YouTube, c'est GoogleTube. Donc quand même, là c'est un peu exagéré quand même. Et puis, il y a eu une personne qui s'est manifestée et qui maintenant est connue dans tout YouTube. C'est impossible de le voir sur une vidéo. Bon, j'ai mis 4 vidéos au choix, donc une vidéo de PewDiePie, une vidéo de Fresh News, la vidéo des 1 million d'abonnés de Antoine Daniel, d'ailleurs GG à lui, et une vidéo de How to Basics. Donc, avant d'aborder le sujet, nos bannières sont enfin de retour. Ça commençait à me manquer quand même. Mais il y a toujours ce putain de bug juste là auquel on peut plus accéder à notre boîte de réception. Ça, c'est assez pète couille, je vous le cache pas. Et il y a eu un petit changement dans ce truc. C'est qu'on regardait. Voilà. Accéder à la chaîne, les flux, mes vidéos, les discussions. Même si. Comment dire? Voilà, c'est. Très inactif. Oui, donc au moins tout est de retour. Bon, vous avez vu mes abonnements, enfin bref. Et donc, qui c'est ce Bob? Bob est une personne qui est contre Google+. Et Bob s'est répondu vraiment très, très vite. Je suis sûr que d'ici quelques jours, ça fera fureur sur YouTube. Parce que clairement, là, si... Si on voit une vidéo sans le fameux Bob, là, j'ai envie de me dire, oula, ça, Bob va arriver d'ici un ou deux jours. Et encore, je suis optimiste. Parce que, regardez, PewDiePie, Hi Rose, until the comments are fixed, I'm forced to leave them off. Rien qu'à peine avoir cette phrase, même si vous êtes le nul en anglais, vous comprenez déjà, c'est il désactive les commentaires. Ah oui, quand même. PewDiePie est l'un des youtubeurs les plus connus. Point de vue anglais, bien évidemment. Parce que nous, les Français, voilà, ils s'en battent les couilles, tout simplement. Donc, ils suppriment les commentaires. Donc là, chez YouTube, enfin plutôt chez Google, on doit dire, ça va faire un choc, mais... Ouf ! Ah oui, quand même. Désactiver les commentaires juste pour Google+. Oh, ça y va fort quand même. Ah, Pewds, tu vas vraiment très très fort. Donc, Pewds qui enlève tous ses commentaires, la preuve, il n'y a plus personne. Bon, maintenant, c'est plus les pouces verts, c'est les pouces bleus. Ouais, pouces bleus is back. Ensuite, bon, là, c'est sur une vidéo de Fresh News. Bon, là, Bob n'est pas encore passé. Après avoir fait cette vidéo, je regarde directement ça parce que ça parle du Nexus 5. Et tout le monde sait que le Nexus 5 sera mon futur téléphone. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo de présentation. Ensuite, la vidéo de Antoine Daniel et regardez. Coucou Bob. Bob. Si on descend. Bob. 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 Oh, on va continuer. Bob. Oh putain. Oula, Bob est tenu en otage et se fait violer par Google+. Putain, ça y va! Puissant! Tiens, Bob, 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 Bob! Ah non mais. Ouais, il y en a qui disent stop putain, là les gamins! T'étais jamais pas vu, hein? Voilà, on va te faire enculer, Bob. Et tout le monde, on peut qu'il se passe dans cette merde. On va voir. YouTube, c'est pas que le plus. Ce qu'il faudrait indiquer. Ouais, ensuite, il y a des. Il y a des rageux. Ah ouais. Donc, plein de bobs partout. Et là, How to Basics, qui est un anglais. Regardez, Bob. Oui,
Je participe au mouvement de Bob. Regardez, il y a le Bob là. Coucou, je suis Bob. Et ensuite, il y a Bob là avec son flingue. Donc, le coup du flingue, c'est pas mal. Ensuite, il y a le temps que mort tout ce qu'il y a de plus banal, j'ai envie de dire. Mais on le retrouve vraiment partout. Donc, ça, c'est juste assez perturbant, quoi. Tiens, voilà, 20 nouveaux commentaires. Voilà. Oh! Ah oui, maintenant c'est l'hélicoptère! Ah oui, après le tank, c'est l'hélicoptère! Oui, quand même, on a même. Ah oui, on a même des Russes maintenant. Ah oui, quand même. Ça y va sévère quand même! Regarde, donnez-moi ça, l'hélicoptère. Un côté t'as le petit et d'un côté tu as le énorme. Comme ma bite. Enfin. Oh putain, pourquoi je dis ça? Donc là c'est. Ça prend des mesures disproportionnées. C'est pas facile à dire. Hein. Donc d'un côté, moi je suis le mouvement parce que clairement, et vous êtes plusieurs personnes à l'avoir dit. Dans la vidéo, voilà la vidéo critique sur Google Plus. Voilà, alors hop là. Voilà, alors nouveau système de chargement et nouveau système de visualisation. Oula, c'est quoi cette qualité pourrie? Ah, ok. Voilà, alors si on regarde les commentaires, Google Plus c'est nul. Bon, ensuite c'est là-dessous, mais clairement, beaucoup de personnes sont contre. Voyage et événements? What the fuck? Enfin bref. Donc voilà, si vous voulez que Google Plus dégage de YouTube, n'hésitez pas à répandre ce très cher Bob pour qu'ensuite on retrouve, j'ai envie de dire, notre YouTube d'origine auquel il n'y avait pas ces commentaires nuls à chier. Je vous le cache pas, c'est vraiment nul à chier, je vous le dis tout de suite. Donc si vous voulez répondre à un Bob, eh bien, ne vous inquiétez pas, je mettrai peut-être en description ou dans un document Word, enfin, c'est pas trop dans un document de texte ou autre. Plusieurs modèles de Bob et puis comme ça vous allez le répandre sur toutes les vidéos. Donc j'ai envie de dire ensemble supprimons Google Plus ceux de YouTube parce que là clairement YouTube est sans doute pris par Google. Enfin Google est le propriétaire de YouTube mais là ça y va un peu trop loin parce que maintenant il suffit de voir que ça n'est rendu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. N'hésitez pas à propager un maximum de Bob sur YouTube pour libérer Google Plus. Et sur ce, je vous retrouve dans 2 jours pour la vidéo de présentation de. La tube catcher, je vous rassure, la vidéo est tournée. Mais je sors les vidéos à fréquence de une toutes les 2 jours, ça semble correct. Je sais pas si je vais changer la cadence et passer à une vidéo par jour. Bon, ensuite c'est vous qui voyez. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.